Bienvenue dans ce troisième numéro sur un homme qui a la foi. Aujourd'hui, pour conclure, je dirais, un homme qui a la foi ne panique pas. Un homme qui a la foi se tient tranquille. Dieu l'a dit, c'est réglé. Un homme qui a la foi fait la lettre 25 ans avant d'avoir Isaac. Une personne qui a la foi affirme à tout le monde que tout va bien, même quand elle a laissé son fils mort à la maison. Un homme qui a la foi maîtrise les circonstances. Un homme qui a la foi appelle à l'existence ce qui ne se voit pas. Un homme qui a la foi tient Dieu au mot. Je veux que tu possèdes cette foi, car la foi est le pouvoir d'achat. Je veux que tu aies cette foi, car avec cette foi, tu vas repousser les limites qui te sont imposées dans ton environnement. Les limites qui sont imposées dans ton milieu professionnel. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Accorde-moi juste une minute. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube Miracle Béni TV.